Je m'appelle Jean-Philippe, je suis en reconversion professionnelle dans la restauration du patrimoine. En fait, j'ai toujours voulu être maçon et finalement, je suis arrivé à 46 ans, je ne l'avais jamais fait. C'est un peu une finalité, quoi. Il est des choses que l'on pense immuables, mais qui ne le sont pas. Comme la façon dont on construit les chemins, les murs ou les maisons. À partir du début du XXe siècle, l'industrialisation gagne le bâtiment. Et à la place du plâtre, de la chaux ou de la pierre, les maçons se mettent à utiliser le béton et le ciment, qu'on leur promet moins cher et plus facile à mettre en œuvre. Au fil du temps, les savoir-faire traditionnels du bâti se perdent. Les artisans qui maîtrisent ces savoir-faire sont aujourd'hui très peu nombreux. Philippe Bertone est l'un d'entre eux. Depuis 20 ans, il a redéveloppé la pratique du plâtre paysan dans le Verdon. Un savoir-faire identitaire qui s'y était perdu. J'en suis un jour arrivé à me demander pourquoi on avait des enduits roses sur les façades, ici. Et j'ai appris que c'était du plâtre. Et alors là, ça m'a remué, le plâtre, je croyais que c'était un truc blanc, mou, qu'on peut rayer à long. Les façades en plâtre sont vraiment une typologie très bien particulière au niveau de la teinte. De loin, on a juste un aspect coloré, légèrement rose ou beige, mais quand on s'approche, on a vraiment tous les grains qui apparaissent et on a vraiment des couleurs, ça vibre. Sur Saint-Jurs, mais à Ries par exemple, tout le bâti est construit avec du plâtre. Cette couleur-là, c'est vraiment une typologie très particulière et spécifique à certains terroirs de la Provence. C'est vraiment une identité forte, quoi. Pendant des siècles, à Saint-Jurs, Riez, Valensole ou ailleurs, les habitants ont construit les maisons avec du plâtre paysan local. Sans même s'en rendre compte, ils donnaient ainsi au village des spécificités qui en font aujourd'hui encore leur identité et leur beauté. Si les habitants en sont fiers, ils ne sont paradoxalement plus capables aujourd'hui de rénover ces maisons ni d'utiliser ces matériaux. La première raison, c'est l'invention des ciments. Et le 19e, ça correspondait aussi à un essor urbain important. Donc les productions en masse de ciment, et puis on inonde le marché avec des produits bas de gamme, enfin peu chers. Toutes les grandes villes qui ont émergé au 19e, enfin toutes les grandes villes balnéaires, les villes thermales, tout ça, c'est des villes où on retrouve l'utilisation des ciments. Et alors, une chose qui a été catastrophique, la guerre de 14-18, l'éradication complète des métiers et des savoir-faire, à cause des décès dus à la guerre, quoi. D'accord. En à peine 50 ans, plus de savoir-faire, plus de filières de production, plus de matériaux. Quand il faut entretenir et rénover les vieilles maisons, on n'a même plus l'idée d'utiliser autre chose que du ciment, pourtant néfaste pour le bâti ancien. Pendant très longtemps, on a piqué les façades en plâtre et on a refait au mieux avec de la chaux. Au pire, c'était du ciment. Ça crée des pathologies sur le bâtiment. On rend totalement étanche le bâti. Et le bâti ancien ne supporte pas l'étanchéité. Enfin, c'est impossible. Tu vois, autour de du volet vert, clairement, tu as du plâtre rose. Et là, c'est du ciment. Dans le bâti ancien, il n'y a pas des fondations très profondes. C'est-à-dire que le mur, la base du mur, repose directement sur... sur la terre ou sur la roche mère. Donc il y a forcément de l'humidité qui remonte par les murs. Quand tu mets un ciment comme ça a été fait là, donc à un moment, au fur et à mesure des années, ça va créer des fissures. Et surtout, ça va enfermer l'humidité à l'intérieur de ton mur. Et si ton humidité, elle ne peut pas ressortir à la base du mur, elle va monter, mais elle peut aller attaquer les poutres. Toutes ces maisons de village qui ont été restaurées depuis les années 40, où on a abandonné la chaux, on a abandonné le plâtre et on a remplacé par du ciment, tu as un peu ce sentiment que c'est insalubre à l'intérieur, que ça sent l'humidité, que tu n'y es pas à l'aise, quoi.
Alors là, sur ce mur, on va utiliser un plâtre paysan qui a été fabriqué à Saint-Jurs. Et on a du plâtre en ourdage. Tous les grains qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui était dans le gypse au départ. Enfin, après cuisson, c'est broyé grossièrement. Parce qu'on a du plâtre en poudre et puis du plâtre en grain. D'accord. Et ce qui fait qu'à l'assemblage, on a une adhésion parfaite. Ce plâtre rose, quand il est bien gâché, il est d'une dureté. Mais dans les plâtres communs qu'on achète en négoce de matériaux, il n'y en a aucun qui peut passer. Enfin, c'est utilisé comme un mortier, entre guillemets. Parce qu'il a un grain assez gros pour pouvoir le faire. Parce qu'il a du grain assez gros pour pouvoir le faire. Et surtout, il est issu d'une cuisson artisanale, oui, qui est différente d'une cuisson industrielle et qui lui donne aussi de la résistance. Donc on a mis tout le bois, on a posé les blocs de gypse par-dessus. En commençant par les plus gros, et ensuite après on a monté et on a mis des blocs de plus en plus petits pour obturer le four et faire en sorte qu'on ait une cuisson à l'étouffée. Du gypse, il y en a partout ici. On a des gisements qui sont disséminés un peu partout en Provence. Donc Saint-Jurs, c'est un petit village qui est situé au bout du plateau de Valensol où on trouve des nappes de gypse datant du Trias. Les gens extrayaient, ils cuisaient et ils battaient ou ils broyaient après leur plâtre cuit. C'était au départ pour une utilisation locale qui s'est éteinte après ben justement par l'amélioration du réseau routier et donc la venue de tous les plâtres industriels. Le plâtre, c'était quelque chose qui était complètement disparu dans la mémoire du village, puisque même le surnom n'avait plus de sens pour les gens. Les piques graut, qui en provençal veut dire battre violemment les gravois de plâtre. On va démarrer à 10h. La cuisson va durer, à mon avis, avec le bois qu'on a mis, en fin d'après-midi. L'aire et l'eau casse, et rien que d'essai sous la main d'une l'arre largo. Basticien humil la main des Prends la place en bois là. Ça, c'est la truelle à enduire. Donc, ensuite, on a une déclinaison de trois taloches de surfaces différentes. La plus grande servant à poser le mortier. Les deux autres servent plutôt à talocher, donc à écraser et à étaler le plâtre sur le mur. Oui, vas-y, tu peux mettre le plâtre. Donc là, à chaque fois que tu as envoyé une taloche, après tu viens écraser, bien serrer ton, voilà, ton plâtre. Sachant que quand on veut faire un enduit comme ça, l'idéal, c'est de le faire en une fois, en une passe. Sachant qu'on peut, on peut dresser des grosses épaisseurs. Quand on va l'appliquer, le grain est noyé dans l'enduit, on ne le voit pas. Par contre, si on veut le faire apparaître, eh bien, il suffit de nettoyer, de brosser, etc. On obtiendra le grain contenu dans l'enduit. Ce sont des grains de gypse. Le plâtre produit artisanalement dans le Verdon ne servait pas qu'à construire. On retrouve aussi nombre de décors en plâtre réalisés par les artisans locaux. On appelle ces décors les gypseries. La ville de Riez abrite entre autres l'hôtel de Mazan et son ensemble unique de gypseries anciennes. C'est
C'est une demeure qui est restée quasiment intacte dans son état du XVIe siècle. On a une date qui est inscrite dans l'hôtel particulier, une gravure, 1523, donc sans doute la date d'achèvement du programme décoratif de l'escalier. Alors c'est l'avantage et l'inconvénient de Riez, c'est qu'on est un petit peu loin des grands circuits commerciaux. C'est une ville qui est somme toute assez pauvre, même au XVIe siècle, même avec la présence de l'évêque. Et finalement, ce décor va rester, on ne va pas le moderniser. Donc il est resté dans son jus, il est resté tel quel. C'est l'ensemble le plus ancien et le mieux conservé, dans le département, ça c'est certain, voire au niveau régional aussi. Le côté un peu exceptionnel aussi du territoire et de l'emploi de ce plâtre, de ce gypse ici, c'est qu'on a de la documentation, on a non seulement les lieux d'extraction, on a les lieux de four à Saint-Jurce, et on a les archives qui viennent nous prouver que c'est bien le plâtre de Saint-Jurce qui était amené à Riez. Mais oui, puis c'est vrai qu'on l'utilise dans toutes ses formes finalement, puisqu'on a des chapiteaux, des arcatures, des arêtes, des clés pendantes, les colonnes, les revêtements, tout est en plâtre. Ça, c'est des éléments de gypserie. Donc ça, c'est du travail du plâtre qui est généralement fait sur chantier. Donc ça, c'est un élément de gypserie du 16e. Donc on voit qu'il est extrêmement empâté. Par exemple, on voit la bouche ici. La bouche n'est plus apparente. Le plâtre originel, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. C'est les parties noires, sombres. Quand on intervient sur un décor, il faut absolument le dégager. L'idéal, c'est de retourner soit à un état de peinture, qui peut être l'état d'origine, soit on dégage complètement le plâtre et on retourne au plâtre d'origine et on remet une peinture. D'accord. Le dégagement, généralement, ça se fait avec des tout petits outils. Donc généralement, c'est le scalpel le plus utilisé. Et puis sinon, moi, j'utilise aussi pas mal le ciseau à plâtre. Le plâtre était utilisé pur et la chaux, on la voit apparaître à peine à la fin du 18e. Mais toutes les façades et tous les décors, c'était essentiellement que du plâtre. Généralement, en fait, les gypseries, contrairement à ce qu'on peut imaginer, étaient rarement laissées blanches. On réalisait la gypserie, mais après, on la peignait. Moi, quand on fait de la restauration, on met toujours en place un protocole, c'est-à-dire qu'on fait des essais avant. On regarde ce que c'est comme type de peinture. Quand j'ai une peinture à la chaux, je sais que ce type de dégagement est possible sans passer par des produits qui permettent de décoller la peinture. Là, on a une fleur, un motif floral qui est abîmé. Ben, toute cette pointe-là, on peut remettre du plâtre et puis la resculpter. Il existe aujourd'hui toute une gamme de plâtres en poudre préformulée, fabriqués pour la restauration du bâti ancien, pour le décor, les façades ou les enduits intérieurs. Faciles à l'emploi, ils sont malaxables, projetables si nécessaire, et peuvent être utilisés en monocouche. Dans le Verdon, la chaux aussi était un matériau central pour le bâti traditionnel. Elle était utilisée en façade, en liant, en enduit, dans presque toutes les étapes de fabrication des maisons. Frédéric Rousseau, maçon du patrimoine, avouer sa vie professionnelle à la réhabilité dans la rénovation du bâti ancien du territoire. Je suis issu d'une famille de maçons piémontais. Mon père utilisait le ciment, mon frère utilisait le ciment, donc j'ai voulu changer de voie. Quand je me suis aperçu que les matériaux qu'on utilisait, je dirais classiques, ne correspondaient pas à ce que moi je voyais pour le bâti ancien. Bien, en fait, le béton, le ciment est un matériau inerte, c'est un matériau froid. Qui ne permet pas au support mis en place, en l'occurrence des pierres, de respirer. Qui n'a aucun avantage dans le bâti ancien, ça c'est clair et net quoi. À la rigueur, je le réserve pour les villas, pour les pavillons. Et pour le bâti ancien, il faut absolument de la chaux. C'est pratiquement le liant principal que l'on va retrouver sur le bâti ancien. Il faut savoir qu'ici, dans le pays du Verdon, on utilisait la pierre calcaire. Les anciens déjà savaient la reconnaître et savoir si elle était bonne ou pas. Et ici même, dans la colline, ils fabriquaient des fours à chaux, de forme comme ça, comme une outre en fait, dans lequel on faisait rentrer le bois, qui allait donc chauffer ces pierres. Il faut imaginer que c'était 7 jours de cuisson, jour et nuit. Une fois que ce caillou était cuit, on avait une espèce de caillou blanc qu'on appelle la chaux vive. Et on éteignait, on fabriquait de la chaux en pâte pour toute la durée donc du chantier. Cette chaux, elle va, d'ailleurs elle est interdite, ou quand elle est vendue dans des seaux hermétiques aujourd'hui, eh bien elle va commencer donc à s'éteindre. Et en s'éteignant, elle va chauffer. Et en chauffant, elle peut provoquer donc des brûlures.
Maintenant, c'est fait en usine, donc l'extinction se fait à l'usine et on fabrique en fait des chaux en poudre. Il y a très peu d'artisans qui utilisent, ça a été utilisé jusque dans les années 50 et depuis, à part quelques uberlugus comme moi et d'autres, on n'utilise pas la chaux en France. Fabriqués depuis le 19e siècle, les chaux industriels en poudre se divisent en toute une gamme de chaux, hydrauliques, aériennes et autres, adaptés à différents usages et supports. Donc là, on peut s'apercevoir que l'enduit a commencé à se décoller. Alors quand on dit maintenant que les gens aiment bien les murs en pierre apparente, en fait, c'est une erreur, puisque là, on peut constater que ce mur est enduit. Oui. Mais comme la pierre est lisse, l'enduit a commencé à se décoller de la pierre. On voit très bien les graviers qui apparaissent. C'est un corps d'enduit qu'on a ici. Un corps d'enduit, c'est la couche qui soutient la finition. On voit qu'il y a du gravier. Alors pourquoi du gravier à l'intérieur du mortier? C'était pour la simple et bonne raison, pour le rendre plus solide. Et effectivement, on s'aperçoit que l'enduit est encore en place, ouais, malgré des centaines d'années. Alors quand on s'est bien assuré que le corps d'enduit est bien fixé, on peut éventuellement repartir sur une couche de gobetis. Mon père m'a toujours dit qu'il appliquait un rasclé. À Marseille, on dit le rasclé. Donc en fait, le gobetis... Parce que tu te racles. Je pense que c'est pour ça, oui, il y a le mot raclé à l'intérieur, mais voilà. Voilà, donc je lève les impuretés qui sont à l'intérieur des joints, tu vois. Là, il faut y aller à grandes eaux, hein. Il faut vraiment aller au plus profond des joints. Si autrefois les anciens ne faisaient pas de gobetis, ils entretenaient très régulièrement l'enduit de leur maison. Aujourd'hui, pour s'assurer de la perspirance des murs et de la pérennité de l'enduit, il est recommandé de passer par cette étape. Cette couche va être constituée de sable et de chaux hydrauliques. Le but du jeu, c'est de projeter un mortier très liquide et très riche en chaux qui va adhérer au mortier en place et surtout, ce qui est important, aux pierres en place. Les pierres sont très lisses. Par contre, il n'y a aucun intrant, que ce soit des résines acryliques, qui justement bloqueraient l'humidité à l'intérieur du mur et l'empêcheraient de sortir. Toujours penser à utiliser des matériaux qui soient compatibles avec le matériau existant. On doit attendre une journée pour que l'enduit ait le temps de durcir, non pas de sécher entièrement, parce qu'il faut au contraire qu'il soit assez encore humide pour pouvoir être apte à recevoir après la seconde couche qui est le corps d'enduit. La deuxième étape après le gobetis, c'est le fameux corps d'enduit. En fait, le corps d'enduit va permettre de faire un support, je dirais, un support qui va tenir dans le temps. On redresse le mur, alors avec la truelle, on peut le redresser avec une taloche. On fait un premier redressage à la truelle avec le champ de la truelle ici, comme ça. Le plat croisé, c'est-à-dire une fois horizontalement, une fois verticalement. Une fois qu'on a fait ça, il est préférable d'utiliser une taloche en bois pour éviter les remontées de l'étanche dues à l'utilisation d'une taloche en PVC. On est en train d'aplanir le support et d'y laisser des stries pour favoriser après la couche de finition. D'où l'importance de ne pas laisser un enduit trop lisse. La deuxième solution pour appliquer une couche de finition, c'est de rendre le support rugueux avec le champ de la truelle, comme ça, voilà. Et on sent qu'on entend que la truelle, elle chante, voilà. La troisième étape, c'est la finition. Il faut qu'entre les étapes, les trois étapes, il y a un temps de séchage. Généralement, on utilise un sable fin pour la finition. Voilà. La consistance est assez liquide, donc on va rajouter de l'eau pour le rendre liquide et favoriser après sa projection avec le balai. On utilisait le buis pour la simple et bonne raison, c'est que c'était une plante assez fréquente dans le Verdon. Les anciens allaient le cueillir pour faire les fameuses boules en bois clouté, des guines. Et ici, on s'en servait aussi dans le bâtiment pour faire les enduits de finition. On utilise le balai de genêt ici dans la région, car il a de fortes propriétés de résistance lorsqu'on l'utilise en projection. Il est très filandreux. Le pourcentage de chaux utilisé est malheureusement encore très faible. Je me rends compte quand je me sers chez les marchands de matériaux, je suis pratiquement un des rares artisans à utiliser les palettes de chaux qui sont à disposition. Au niveau mise en œuvre, il n'y a pas une grosse différence avec le ciment. À mon avis, mon humble avis, c'est que c'est un manque de connaissances.
des artisans. Et l'avantage qu'ils auraient, c'est qu'ils auraient un meilleur travail, un meilleur rendu. Ils auraient aussi une meilleure qualité au niveau de la respiration, du mur. C'est vraiment du patrimoine qu'il faut protéger, quoi. Prendre soin. Donc on est vraiment une restauration qui dure dans le temps, qui soit aussi intégrée avec l'environnement. Autre technique caractéristique, voire emblématique du bâti du territoire du Verdon, la technique de la pierre sèche, avec laquelle on construisait des murs ou des voies de circulation, les calades. Alors la place de la technique de pierre sèche sur le territoire du Verdon est très importante, comme elle l'est d'ailleurs en Provence et je pourrais dire sur le pourtour méditerranéen où on trouve de grandes similitudes. Essentiellement ici, c'est pour la construction des restanques, des bancaux comme on les appelle ici en Provence, on dirait le mot terrasse donc en français, pour retenir donc de la terre qui sera cultivable et à moindre mesure quelques cabanes et on trouve aussi pas mal de calades pour les aires de bataille. Les rues, etc. Alors, la grande partie du matériau était prise sur place. Pourquoi ? Parce que avant même de construire un mur ou une calade, les gens avaient besoin de faire ce qu'on appelle un épierrage de surface, c'est-à-dire qu'ils ramassaient, ça se fait encore aujourd'hui, hein, quand les agriculteurs ils labourent, il y a des pierres qui viennent comme ça à la surface, ils prennent les pierres et ils en font des tas sur les côtés pour en faire des clapiers, hein, des clapasses on dit en provençal. Ces techniques, l'apogée, c'est le monde de paysans en milieu rural, j'entends, à la fin du 19e, disons avant la guerre de 14. Louvain bouffave mai l'outer, Louvain bouffave mai l'outer, Eo peleu ses coulavo, Eo peleu ses coulavo. Avec cet emmarchement, on peut parler de raidisseur. C'est ce qui va permettre à toute la calade c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur, d'être soutenue par des pierres un peu plus grosses et un peu plus enfoncées profondément. D'accord. Que les autres pierres. Vraiment, le squelette de la calade se dessine avec les raidisseurs. Et ce sont eux, quand on les place, qui te donnent la hauteur désirée de remplissage. L'idée, ça va être de venir coller les pierres aux voisines. Il faut que j'aie poussé le sable un peu et que j'enfonce cette pierre dans quelque chose. Si j'ai trop de vide, elle va avoir tendance à vouloir basculer. C'est une massette tout à fait... commune, ou également le tétu qui est un peu la même idée. C'est sur la taille des outils de taille de pierre. Et l'idée, c'est pas de tailler une pierre pour en faire un parpaing, c'est vraiment enlever des petites accroches. Voilà, c'est ce style-là qui nous permet d'avoir un peu plus de contact ensuite sur les pierres. En fait, l'idée étant de les planter dans leur profondeur. C'est pas du dallage, on fait de la calade. Donc c'est cette idée de planter. Donc je vais choisir la face la plus profonde. Et ensuite, préparer cette face qui n'est pas droite pour en faire quelque chose de plus ou moins plat. Jean-Philippe, on peut faire la calade ou à la terre. Pour des grandes surfaces, je vais te conseiller de travailler avec du sable. Pour des petites surfaces, avec la terre naturelle, ce sera suffisant. Si tu utilises du sable, tu vas légèrement rajouter un peu de chaud dedans. D'accord. On travaille à sec, hein. Tu ne vas pas mouiller ton sable. Oui. Il est sec. Tu vas rajouter quelques pourcents de chaud dedans pour qu'il y ait un peu plus d'accroche dans le temps. Donc l'idée, c'est deux pierres à côté. Créer un joint, et ce joint, il ne faut pas le prolonger, il faut arriver à couper. Donc, même si cette pierre-là va très bien ici, ma priorité, ça va être de couper ce joint. Crac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avec un maillet caoutchouc, et surtout pas de métal, parce que le métal casserait la pierre, le caoutchouc absorbe la violence, on va dire, du choc, et l'idée, voilà, ça va être de venir l'enfoncer, tout en gardant ses contacts. Si je pousse vers ici, la pierre, elle ne bouge pas. Si je pousse évidemment de l'autre côté, elle bouge, puisqu'il n'y a pas encore les copines. Donc là, l'idée, ça va être d'enfoncer à la hauteur désirée. La pierre, les pierres entre elles doivent être en contact et un maximum de contact. Plus rien n'en veut,
e sorride muravo, e sorride muravo. Les faces, on a toujours coupé un petit bout par-ci, par-là, et on se retrouve avec ces éclats de taille, ben on va s'en servir pour encore multiplier les contacts. C'est-à-dire que là où il y a des gros trous, on va glisser ces pierres dedans. On remplit de terre ou de sable. Là, tu viens jusqu'au bord. Ah oui, oui. Dans un deuxième temps, on va prendre le madrier et on va vérifier nos alignements. Hop. Si les calades sont aujourd'hui de plus en plus restaurées, nombreuses sont celles encore ensevelies sous la verdure. Les murs de pierre sèche, les fameuses restanques, plus hautes que les calades, sont-elles le plus souvent encore visibles ? Ton mur, il va y avoir différentes étapes. Tu vas commencer par les fondations, ce sont les pierres qui seront en contact avec la terre. Et ensuite, tu vas avoir ton parement, ce sont les pierres qui vont faire le remplissage du mur, et ton couronnement qui va être l'étape finale. Il faut imaginer que ton mur, il a besoin d'un cadre pour être tenu. Ton cadre, ça va être tes fondations, ton couronnement supérieur et tes angles ou quelque chose qui fait qu'on s'arrête à droite et à gauche. Et à l'intérieur, c'est du remplissage avec des pierres de plus petite taille. Ce qui est important, Jean-Philippe, c'est que quand tu vas commencer ton chantier, il faut que tu aies ton stock de pierres nécessaire à la réalisation du chantier, tout de suite. Ainsi, tu vas pouvoir trier tes pierres de fondation, tes pierres de parement, tes pierres de drain et tes pierres de couronnement. Et tu vas pouvoir anticiper ton mur. À la fin de ton mur, ce qui va rester, ce sont simplement ces faces de parement. Mais c'est une construction à l'intérieur. Toujours la partie la plus longue, dans la profondeur du mur. Si tu posais simplement ton parement et la terre derrière, la pression exercée se ferait trop rapidement. La terre arriverait tout de suite à boucher un petit peu tous les joints libres et exercerait une pression un peu trop forte sur le mur, trop vite. Alors le drain, il a fonction de garder la terre derrière. Le drain, c'est une construction importante dans la structure du mur, aussi importante que le parement. C'est quelque chose qui est construit. Hein. On ne va pas jeter des seaux derrière pour faire du remplissage. On va bâtir et on va aussi multiplier les contacts dans le drain autant que dans le parement. La pierre sèche, c'est une construction sans mortier. Tu es obligé d'avoir un maximum de contacts entre les pierres. Il n'y a pas la maçonnerie pour coller les pierres. Du coup, c'est ton contact qui va faire la solidité. Imagine dans le mur, cette pierre, elle va avoir des voisines à gauche et à droite. Oui. Les petites bosses qu'il y a sur le côté, oui. Les petites oreilles qu'il y a sur le côté, elles vont faire contact. D'accord. Ici. Et elles vont laisser la possibilité aux voisines de pouvoir jouer un petit peu. Il va falloir enlever ses oreilles sur le côté. Une. On va placer la pierre oui. Dans le mur. Oui. Donc comme je te disais tout à l'heure, toujours vers la profondeur. D'accord. Hein? Quand tu vas chercher à poser ta pierre, il va falloir toujours couper le joint ouais. Entre les deux pierres. C'est une pierre sur deux pierres ou deux pierres sur une pierre. De contact, ma pierre bouge. Il me faut au minimum un troisième contact quelque part derrière. Ou il est naturellement, ou c'est à moi de le créer, et c'est là que je vais me servir de ce qu'on va appeler les cales, les éclats de taille. Une des règles de base d'un mur en pierre sèche, la profondeur parement et drain compris, ça va être un tiers de la hauteur du mur. Donc imagine un mur qui fait 3 mètres de haut, la profondeur de ton mur, ça va être 1 mètre. On va construire le mur à plat, c'est-à-dire que tu vas positionner ta pierre de fondation ou ta pierre de parement. Et il va falloir remplir, avant de poser les pierres suivantes, il va falloir tout mettre à plat derrière. On monte tout en même temps à plat. En fait, la seule pression que va subir ton mur ouais. Va venir de la terre qu'il supporte derrière. Ouais. Pour compenser la pression que la terre va exercer dessus, on va légèrement incliner ton mur, on appelle ça le fruit. Depuis une trentaine d'années, il y a une remise en lumière de ce patrimoine en pierre sèche, avec la recréation du métier. On a remis la pierre sèche au cœur des enjeux du territoire du parc. La pierre sèche a plusieurs utilités dans un monde moderne, ne serait-ce qu'écologique. Pas besoin de matériel, il n'y a pas de transport de matière, donc écologiquement, c'est quand même assez bon. C'est une niche écologique incroyable, un mur en pierre sèche, du fait que ses joints soient creux. Beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de reptiles vivent dans ces murs en pierre sèche.
C'est un drain, c'est-à-dire que quand il va y avoir un excès d'eau sur la terrasse, sur la partie plate, eh bien cette eau, elle va pouvoir s'échapper. Et la fonction de la calade, c'est la même chose. Dans les années 50-60, il y a eu beaucoup de béton. Il y a eu le goudron aussi. Donc tout ça a recouvert un petit peu donc, les calades, béton et goudron. Et le béton et le ciment surtout a remplacé un petit peu la pierre sèche à certains endroits. En tout cas, il y a des études à faire pour savoir comment on peut faire respirer les sols et peut-être à certains endroits, et ça se fait d'ailleurs, remettre de la calade pour que les sols respirent. Et ce matériau est important, ce qu'on a appelé le petit patrimoine dans les années 60. Aujourd'hui, il est devenu aussi important que le grand patrimoine, les églises, les châteaux, etc. Et donc, il y a de nouveau des restaurations qui sont faites. Les savoir-faire évoluent et disparaissent en fonction de nos habitudes et des progrès. Plus de maréchal ferrant aujourd'hui, mais plus de calèche à ferrer non plus. Plus d'allumeur de lampadaires ni de cireur de rue. Dans le cas des savoir-faire traditionnels du bâti, les maisons et les villages existent, eux, toujours. Les questions que pose notre incapacité actuelle à les rénover et les entretenir correctement dépassent le simple cadre de la disparition des savoir-faire traditionnels du bâti. Elles interrogent l'ensemble de nos connaissances sur notre territoire et leur transmission, et questionnent nos relations à l'habitat, au village, au paysage, au territoire et à la collectivité. Le paysan qui faisait sa maison, il n'avait pas un rond, il était hyper pauvre, quoi. Et il faisait une maison qui s'intégrait au paysage, c'était parce que ça lui coûtait moins cher, et il savait que sa maison, si elle était encastrée dans le terrain, elle serait plus facile à habiter les jours de Mistral. Et on bâtissait avec le territoire. Là, aujourd'hui, on bâtit contre le territoire. C'est des constructeurs. Ils viennent avec des projets de maisons à terrain plat et pendant 15 jours, il y a des terrassements avec des marteaux-piqueurs, des pelles mécaniques qui massacrent le site au plan symbolique, quoi, qui tuent les murs de restanque, qui creusent, qui dérochent, etc. C'est pas que la perte des savoir-faire, c'est l'appauvrissement du concept lui-même. Mais ça renvoie surtout à la question de savoir si on bâtit pour soi-même ou si on bâtit avec les autres. La maison, elle appartient aussi à ceux qui la regardent. Et la maison, elle appartient à un paysage. Les architectes, souvent, limitent le dessin au format de la maison. Et je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant de prendre une immense feuille et de dessiner tout le paysage et de poser la maison au milieu. Et de dire que l'harmonie, elle n'est pas individuelle, mais elle est globale. Quand on fait une maison, on pense sur une génération. En réalité, l'architecture dure, mais il se déglingue. Et quand on utilise de la pierre, la déglingue est belle. Parce qu'on a prélevé de la pierre dans un site, mais le jour où la pierre devient ruine, il y a un retour progressif au milieu naturel et qui marque bien que pour un temps, on a emprunté à l'éperon rocheux ces matériaux, et puis après, ben, ça retourne tranquillement à la nature. Louvain bouffave et maïloutin, louvain bouffave et maïloutin, et pelleur s'escoulavant, et pelleur s'escoulavant, et tchant des pères en maïanin, et tchant des pères. On se rend vite compte que le paysage est composé du bâti rural et que ce bâti rural, si on veut le sauvegarder, il faut connaître les techniques avec lesquelles ces bâtiments ont été construits. Donc l'importance pour un parc de transmettre ses savoir-faire, c'est de faire un lien entre un paysage, un bâti rural et une technique adaptée à la restauration de ce bâti rural. C'est la mission d'un parc d'essayer de conserver ce code commun pour maintenir un attrait villageois, aussi bien dans les caractéristiques du bâti que dans la conservation des silhouettes villageoises.